Salut à tous, tes matchs contre un Gladbach dans un état de fatigue avancé. On verra ce que ça donne. Ouais, au bout de ma vie. Dans quelques instants, ce duel entre deux équipes qui ont vraiment envie de combler leurs supporters. Un match à suivre en direct de l'Olympia Stadium. On a sorti le tifo. Salut tout le monde, heureux d'être avec vous en direct de Berlin dans cet Olympia Stadium. Nous allons bien évidemment vous commenter ce match avec Pierre Ménès. Allez, installez-vous, vous allez assister dans quelques instants. Au coup d'envoi de ce match de Bundesliga, Hertha Berlin face au Borussia Mönchengladbach. Un match dont les supporters parlent beaucoup entre eux, tu t'en doutes. Je crois qu'ils signeraient tout de suite pour un bon vieux 1-0 tout pourri. Mais nous, on attend surtout un bon match. Le joueur à surveiller de près. Ah, c'est sûr que pour les défenses adverses, c'est pas un cadeau. Hein. Si tu oublies de le surveiller, ne serait-ce que 3 secondes, il se retourne, il prend l'espace. Benito Raman, 15 buts en 16 matchs. Et il n'est pas attaquant. On regarde à présent la composition du Hertha Berlin. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. La composition du Borussia Mönchengladbach, la voici. Les deux formations qui vont évoluer l'une et l'autre en 4-5-1. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir à l'image, un dispositif à géométrie variable. Ça dépend surtout de la culture tactique et de l'envie des joueurs. Allez, c'est parti, ça va être parti. Et c'est parti avec un premier ballon pour le joueur du Hertha Berlin. La démarre. Ouais, c'est superbe ce qu'il vient de faire. C'est superbe surtout parce que c'est tellement spontané. Stindl. Oh, le ballon perdu dans une zone dangereuse. Duda, allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. C'est donné sur l'aile. Cherche une ouverture, bien sûr. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. L'équipe locale qui est tout simplement la meilleure attaque du championnat. C'est un élément important de ce match. C'est une équipe très offensive, toujours bien pour le spectacle. Blagenhardt cherche la faille dans la défense adverse. Il centre au second poteau. Allez, c'est dégagé. Ce sera un corner à venir.
direction du point de pénalty. Ils sont passés tout près du but sur ce corner. C'était bien frappé et la défense adverse peut souffler. Et déjà le premier coup de sifflet. Cherche une solution là. Regardez qui s'interpose sur cette tête. Alors, jeu est flagrant, il n'est pas bien positionné au départ du ballon. Et logiquement, il est signalé. On était tous hors jeu. Il ne maîtrise pas le ballon, il le perd. Cherche des solutions là. Oh, le tir qui vient raser le montant. C'est pas mal fait du tout ça. J'aurais peut-être mérité un meilleur sort. Tu prends ça avec tes clapettes casse-gueule. Tu... Et le petit but par match de Benito. Superbe coup d'œil du passeur juste avant ce but. À tout part de là, en effet, c'est vraiment une passe qui, comme son nom l'indique, est décisive. Il est à 16 buts. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Stindl, il récupère le ballon dans sa surface. Marius Wolf. Contre-attaque. C'est un bon espace, c'est cadeau. En profondeur, oui, bien vu. En profondeur, attention. Intercepter cette passe. Doda. Ah oui, c'est bien fait ça. C'est parti dans la surface. Et on a dégagé pour écarter le danger. Et finalement, ce ballon va peut-être revenir très vite. Christophe Kramer. Stéphane Lehner. Ouais, magnifique, le contrôle parfait. Oh, bien joué, c'était chaud, il a dégagé. Il y a le gardien qui s'empare du ballon. Ouais, tranquille, sans souci. Le ballon par l'adversaire. Attendez. Je vais aller faire mon plongeon. Ça va marcher. Hein.
La porte du garage est ouverte. Ouais. Elle est froide. Au revoir. Au revoir. Elle va chauffer aujourd'hui, il y a du soleil. Ouais. Je vais un peu, si tu peux. Voilà, je suis là. Elle est mollo. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Qui est rendu au camp adverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Oh là, il n'est pas passé loin de concéder un pénalty là avec ce tacle audacieux. On en veut un peu à l'arbitre de ne pas avoir accordé le pénalty. C'est mieux quand on regarde les actions. Oh là, contrôle raté. Doda. Oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. Ce ballon en profondeur, elle a c'est gâché. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. Ouais, très bonne récupération, il y a danger. Doda, magnifique, l'arrêt de Sommer, réflexe à bout portant. Pour même prix, ça passait entre ses jambes. Cherche le point de pénalty. La tête. Oh, quel goal! C'est Tornarigua. Son premier goal. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Le but, toujours. Quelle tête puissante. Excellente finition sur ce corner. Le joueur qui a su sauter au bon moment pour reprendre ce ballon de la tête. Je crois, ouais, c'est son premier but. Tornarigua. Le jeune allemand. Deux buts d'écart maintenant, 2-0. Ouais, bien défendu, bien taclé. Touche à suivre. Stéphane Lehner, l'équipe qui a attaqué et qui va devoir défendre maintenant. Puisque... Ah ouais, la bonne passe. Allez, Doda. Faut jouer à deux. Oh, le gardien qui sort. La bonne décision hein, sur cette passe en profondeur.
maîtrise pas le ballon, ils le perdent. Stéphane Lehner. Avec peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Ah, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Non. De l'espoir peut-être. Faut pas faire des erreurs pareilles. Tacle parfait. Ça pouvait faire but. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est venu en profondeur. Oh, c'est dedans. Deux. Tire à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Les joueurs pensaient être à l'abri avec 2000 avance. Eh bien non. L'adversaire revient à une longueur. Match est complètement relancé. Et 2 buts à 1 donc maintenant. Ah non, dans l'espace. Christophe Kramer. Attention, ça peut être dangereux. On cherche une solution. Mais ça passe loin. Très loin du cadre. Boyata. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Fabian Johnson. Il prend la frappe. Voilà, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Boyata. On va gérer jusqu'à la mi-temps, du moins essayer. Pourquoi pas mettre un goal, attention. Pour l'adversaire. Le contre d'un Gladbach. Fabian Johnson. Doda. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Et le ballon qui est revenu à l'équipe adverse. La contre-attaque est terminée. Ouais, voilà, ça va être un coup franc. Faute de Boyata. Dégagé pour écarter le danger, alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Allez, Mbolo. Ouverture. Stindl. Oh oui, oui. Dans l'axe. Oh, l'arrêt fantastique. Repousse, ça joue. Ouais, bonne tête du défenseur. Doda. Allez, Doda. Place là pour une contre-attaque. Ils ont continué à progresser. Oh, ça aurait été magnifique. La détente de Sommer. Magnifique claquette. Beau tir, bel arrêt. Qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Oui, c'est bien d'avoir tenté, mais de cette distance, faut pas rêver non plus. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Une mi-temps. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire. Sur ce score. On va avoir une cigarette. Bobinette te suit vraiment fort. Deux buts marqués, la meilleure attaque du championnat s'est installée tranquillement en commande de ce match. À part l'excès de confiance, je vois pas ce qui peut leur arriver. Retirer quoi, mon sort? Retirer quoi? Hein? Doda. T'as pas eu dur de retirer ce gros matelas là? L'ouverture du score. Pour prendre les devants dans ce match, il n'y avait pas trop de chips. Ouais, très bonne récupération, il y a danger. Doda, magnifique l'arrêt de Sommer, réflexe à bout portant. Il cherche le point de pénalty. Et le but! Le but qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus court. T'as déjà mal au dos. Oh, c'est dedans.
et il a seulement 13 tirs à bout portant sur lequel le gardien ne peut évidemment rien faire. Attention, enfin presque 14. Et ça passe loin, très loin du cadre. C'est beau ce que j'ai mis avec la photo de Karsit et avec le petit texte là. Ouais, j'ai vu. Il y a beaucoup de gens qui ont mis j'aime, même Massimo. Voilà, c'est typiquement le genre d'occasion qu'il ne faut pas rater. Parce qu'ils ont toujours ce petit but de retard. Purée, j'ai vu un gainage de Sergio Marinos. Il a fait la planche pendant 7 minutes. Il était trempé. Dans la vidéo, il était tout. Il reluisait. Déjà qu'il n'est pas bien prêt. Mais même s'il ne joue plus que Senurio. Et Buzi, ben tu vois, il travaille toujours à fond au cas où on a besoin de lui. C'est ça qui est bien. Pendant 7 minutes. Oh, oh. Mais lui, il a pas pris une pète de gras. Hein. Il avait encore les abdos, tout nickel. Ortega avait le kiné, enfin, le coach physique. Et t'entendais derrière, comment il s'appelle encore. Le coach de physique officiel. Je sais plus comment il s'appelle, il disait « Come on, Stergos, come on !» Il gueulait. Philippe Simonet, voilà, Simonet. C'est bien que mettre Kaloula, c'est un peu risqué, mais j'ai plus d'autres options. L'arbitre est prêt, les 22 joueurs également. Et ça repart à l'instant. Et il faut faire tourner effectif, je viens de faire un match au coupe. Ouais, mauvaise passe. Et on récupère quand même. C'est un mauvais passe, c'est cadeau. J'ai eu beaucoup de blessés. Une traite. Christophe Kramer. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Fabian Johnson. Tu rigoles, mais peut-être que dans FIFA 21, ils vont mettre le match à huis clos. Ouais. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Dans un FIFA, ça existait. Tu pouvais choisir la capacité des spectateurs. C'était en pourcentage, tu vois. Or, tu pouvais le mettre super rempli ou pas rempli ou un peu rempli. C'était bien. Ils auraient dû laisser. Christophe Kramer. Stindl. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Mais là, ils l'ont retiré parce que par rapport à tes résultats, les rentrées d'abonnement sont différentes. Tu vois, si t'es dernier, tu n'auras pas un stade rempli. Et t'as même des objectifs genre en 3 ans dépasser les 10% de plus d'abonnés, etc. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ah oui, la bonne passe. Ah ouais, bien donné en profondeur. Douda. Allez, le plongeon. Et à ce qui paraît, si t'achètes la démo de FIFA, elle sera payante, de FIFA 21, ben tu l'auras gratuitement FIFA 21 sur la PS5. Donc si la démo elle coûte 7€, ça vaut peut-être le coup. Mais je préfère acheter normal sur la PS5. Attention à ce corner. Et la tête de Boyata, le belge qui marque. Qui permet à cette équipe de compter 2 buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable, mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il faut surtout pas se relâcher maintenant. Superbe construction hein, sur ce but. Il n'y a rien à acheter sur ce but. Le corner, le démarquage, le timing. Après, il faudra sonner à Orange pour bloquer le truc. Et pour demander un plan de paiement parce qu'il y a des sinon, ils le débiteront automatiquement le 29 qu'ils ont dit.
Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Christophe Kramer. J'ai l'impression que ça sent le foin. Traoré. Boyata. Niklas Stark. Doda. On dirait que ça sent la campagne. Faut trouver une option disponible. Tech. Attention à la frappe. Ah, c'est manqué de peu. Ouais, il a cherché à marquer sans frapper comme une brute, mais c'est loupé. De peu, mais c'est loupé. Heureusement que toutes les occasions de but ne sont pas allées au fond des filets, sinon le score serait beaucoup plus lourd encore. Christophe Kramer. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Attention, le tir. Contré. Zakaria. Mbolo. La passe est interceptée. On cherche des solutions là. Oh, c'est bien donné en profondeur. Et go. Ah, ça va rentrer, ça y est. Forza Casibar. Argentin. Santiago. Eh oui, c'est lui. Ah, l'équipe qui signe un grand coup avec ce but. Oui, le score commence à devenir très très lourd là. Il n'y a même plus de match. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé. Ça va être intéressant. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Il progresse vers le but. Ouais, il est bien placé pour centrer. Doda. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Piatek. Ah oui, il reprend le ballon au tout dernier moment. Il a joué la sûreté sur ce dégagement. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. Johnson. Ah, c'est mal joué, la peine, il aurait dû attendre un peu. Un changement pire hein, pour l'équipe de Mönchengladbach. Ah, l'entraîneur qui préfère revoir ses plans pour la suite du match. Changement de possession. Bonne récupération au milieu de terrain. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Une excellente intervention. Il récupère ce ballon. Il est bien placé, il peut centrer. Contact. Ah, le ballon qui est perdu. Ah, le bon tacle, ce sera une touche. Zakaria. Traoré. Un bon maîtrise hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Traoré. Stéphane Lenneur. Traoré. Stindl. Christophe Kramer. Attention à côté. Le score qui reste inchangé. Mais c'était une bonne réaction. Sous la pression de l'adversaire. Il a fait le 1-2. Chercher l'ouverture, bien sûr. Stindl. Allez, Mbolo.
Oh, le grand danger. Oh oui, joli. Bien joué le gardien. Le corner en direction du point de pénalty. Mauvais dégagement là, attention. Bon, attention, c'est pas fini. Attention, le bon pressing. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. Ben Sebaini. On écarte le jeu. On cherche la faille dans la défense adverse. Va-t-il parvenir à centrer? Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Boyata. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Vladimir Darida. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, l'excellente parade du gardien! Le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Oh, juste au-dessus de la reprise. Le plein de tête. Très bien exécuté, avec un peu de réussite, c'était au fond. Essaye de trouver la faille. Il progresse. Dans la surface, oh, le tacle glissé, il a osé. Attention, Sommer n'a pas capté le ballon. Stindl. On le tient à l'arrêt de la semaine, voire du mois, voire de l'année, voire du siècle. Les cinq dernières minutes du temps réglementaire. Doda. Il s'avance vers la surface. Oh, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Calou. Ballon rendu à l'adversaire. Contre-attaque peut-être. Darida pour tuer le match. Et oui. Le dénouement idéal, la ouais, on a vu le ballon progresser vers le but adverse sans que la défense puisse réagir, tellement c'était bien joué. C'est allé vite ensuite. Ah, c'était bien allé vite. Le score qui s'aggrave encore en cette toute fin de match. Ouais, la victoire est acquise, mais bon, allez, il faut continuer à attaquer, on n'est jamais à l'abri. Plus de suspense à la deuxième but pour le Tchèque. La décision est faite. Christophe Kramer. Fabian Johnson. Vladimir Darida. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Cherche une solution là. Et voilà, le jeu va dominer. On aura eu un petit coup de dur pendant 10 minutes, mais une victoire.